Bonjour, bienvenue au Canada. Quelles étaient tes premières impressions quand tu es arrivé ici? Bah, c'est un public très accueillant. Il y a une, il y avait un public impressionnant sur le circuit de Québec. On verra demain si les habitants de Montréal sont aussi fans de cyclisme qu'au Québec. Mais c'est vrai que l'ambiance était super. Une course très très difficile. Et en fin de saison, c'est très, très dur parce que souvent les coureurs avec les grands tours, etc., on nous en a un peu soufflé, mais là c'est vrai que c'est une grande course pro tour et faut rien lâcher jusqu'au bout, donc c'est vrai que ça a été très dur, mais on ne regrette pas du tout le voyage. Okay. Et puis comment se dit de la chaleur et d'humidité? Est-ce que c'est dur pour l'organisme ou Bah là, au niveau de l'humidité, c'est vrai qu'on vient de prendre un orage pour la sortie du jour, mais non, au niveau de l'humidité, on l'a pas vraiment ressenti et la chaleur, c'était correct, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Pour demain, Montréal, est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu vas essayer quelque chose? Non, parce que j'avais plus d'ambitions à Québec où je termine 20e et c'était un peu l'objectif. Mais demain, c'est plus un circuit pour grimpeurs, donc on a Romain Bardet, Mathieu Berger, qui grimpe bien, qui auront plus d'ambition sur le circuit de Montréal. Et globalement, sur ta saison, si on regarde sur ta saison, qu'est-ce que tu peux dire sur ta saison, qu'est-ce que tu en penses? Elle a été en dents de scie, très mauvaise, mais depuis un mois, on va dire que j'ai retrouvé de super sensations. Je suis souvent échappé, donc j'espère faire un bon résultat avant la fin de saison. Ok, merci beaucoup. Bonne chance demain.